Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle émission de notre programme L'Égypte à la Une. Et commençons l'édition d'aujourd'hui, du mercredi 4 mai 2022, avec le président Abdel Fattah Sisi qui a appelé au téléphone l'émir du Koweït, Cheikh Nawaf El Ahmad El Jaber El Sabah, pour le féliciter à l'occasion de l'Aïd El Fitr. Au cours de l'appel, le président Sisi a souhaité au Koweït davantage de progrès et de prospérité. De son côté, l'émir du Koweït a remercié le président El-Sisi pour la bonne félicitation, souhaitant à l'Égypte, gouvernement et peuple, davantage de paix, de succès et de stabilité. Dimanche, le président Abdel Fattah El-Sisi a appelé le roi Abdallah II de Jordanie, ses homologues algériens Abdelmajid Tebboune, tunisiens Qais Saïd et irakiens Barham Saleh, ainsi que le chef du conseil souverain soudanais, le général Abdel Fattah El-Burhan, pour les féliciter à l'occasion de l'Aïd el-Fitr. Il leur a souhaité paix, bonheur et stabilité. De leur côté, les dirigeants arabes ont adressé leurs remerciements au président El-Sisi, lui souhaitant progrès, prospérité et implorant Dieu de sauvegarder l'Égypte de tout mal. À l'occasion de l'Aïd el-Fitr, le président Abdel Fattah El-Sisi a adressé à tous les Égyptiens à l'extérieur et à l'intérieur ses vœux les plus sincères, tout en implorant Allah de leur gratifier de santé et de paix, et que cette occasion soit porteuse de bonheur et de prospérité pour notre cher pays, je cite, notre vaillant peuple et à toute la nation musulmane. L'épouse du président de la République, Madame Intissar El-Sisi, a elle aussi félicité dimanche le peuple égyptien et les nations arabes islamiques à l'occasion de l'Aïd el-Fitr. Sur sa page officielle sur les réseaux sociaux, Madame El-Sisi a imploré Dieu Tout-Puissant, en cette occasion bénie, de réaliser pour notre peuple progrès et prospérité, espérant que l'Égypte occupera la position la plus élevée parmi les pays du monde. Le président Abdel Fattah El-Sisi a célébré lundi Aïd el-Fitr avec les fils des martyrs. Au début de la cérémonie, le président leur a adressé ses meilleurs vœux et a exprimé sa joie d'avoir célébré Aïd el-Fitr avec eux. Lors de la cérémonie, le chef de l'État a adressé ses meilleurs vœux et présenté ses remerciements à l'équipe des feuilletons El-Ikhtiyar et Aïdoun. Plus de détails dans ce commentaire. Le président Abdel Fattah El-Sisi a célébré lundi Eid al-Fitr avec les fils des martyrs. Au début de la cérémonie, le président a adressé ses meilleurs voeux aux fils des martyrs et a exprimé sa joie d'avoir célébré Eid al-Fitr avec eux. Le chef de l'État a ensuite mis à l'honneur les fils des martyrs parmi les policiers et les militaires, les a salués avant de partager avec eux le petit déjeuner. Le chef de l'État a accompagné quelques enfants au parc d'attractions mis en place pour cette occasion et a tenu à leur distribuer en personne des jouets, des cadeaux et des repas, alors que les fils des martyrs étaient soucieux de prendre une photo souvenir avec lui. Lors de la cérémonie, le président El-Sisi a adressé ses meilleurs voeux, a présenté ses remerciements à l'équipe des feuilletons Al-Ikhtiyar et à Aïdoun en indiquant, je cite, « une grande partie de ce que vous avez présenté a incarné la réalité et en faveur des héros et des martyrs qui se sont sacrifiés pour l'Égypte ». Le président Sisi a ajouté que la série Al-Ikhtiyar était infériel et chaque mot dit était une réalité. Ceci était dans le but de transmettre aux générations futures la réalité pour que les fils des martyrs soient fiers de ce que leur père avait fait, notant que l'histoire ne pourrait être ni falsifiée ni déformée. Le chef de l'État a indiqué que ce qui avait été présenté sur l'écran par les autorités était moins que les efforts réellement déployés durant les moments les plus difficiles. Il a affirmé qu'ils ont tenu à éviter tout affrontement, même dans le communiqué de l'an 2013. Il a appelé les Égyptiens à vraiment protéger leur patrie, tout en soulignant que la confrérie des frères avait menacé directement l'armée trois fois. La première fois en discutant des résultats des présidentielles avec le maréchal Mohamed Hissène Tantawi. La deuxième, lorsque Khairat Chotter, qui est un des dirigeants de la confrérie des frères, a déclaré avoir mis le feu dans les sièges de la sécurité nationale. La troisième fois était à M. Sisi en personne, lorsque Chotter avait menacé de tuer les citoyens et ruiner le pays pendant 45 minutes.
À la fin de la cérémonie, le président Sissi a souligné l'importance du rôle incarné par les œuvres artistiques et les séries télévisées dans la prise de conscience du public. prisonniers ont été graciés à l'occasion de l'Aïd al-Fitr. Cette mesure, prise sous les directives du président Abdel Fattah Sissi, s'inscrit dans le cadre du souci du ministère de l'Intérieur d'appliquer la notion moderne de la politique pénitentiaire et de fournir tous les soins nécessaires aux prisonniers. Ces prisonniers ont reçu des programmes de réhabilitation et de réforme pour commencer leur nouvelle vie. Le Centre d'information et de soutien à la prise de décision a affirmé que l'économie égyptienne avait prouvé sa capacité de relever les défis et une flexibilité incomparable, réalisant ainsi un excédent préliminaire du PIB de 1,46% durant l'exercice 2020-2021. Dans une infographie publiée mardi, sous le titre « L'économie égyptienne et la flexibilité de relever les défis », l'IDSC note que le volume des dépenses d'investissement public avait augmenté de 30%, enregistrant 249,4 milliards de livres égyptiennes. Le volume des dépenses de salaire et d'indemnisation des travailleurs a marqué une hausse de 10,4%, souligne l'IDSC, ajoutant que le volume des dépenses de l'enseignement, de produits, d'approvisionnement et de secteurs de la santé ont aussi augmenté respectivement de 9,3%, 3,2% et 22,8%. Le ministre des Finances, Mohamed Maïd, a déclaré que l'État tient à diversifier ses sources et outils financiers pour attirer de nouvelles franges d'investisseurs égyptiens et étrangers qui désirent investir conformément à la charia, et ce par l'émission de sukuk souverains verts et d'autres de développement durable. Les détails dans ce commentaire. L'État tient à diversifier ses sources et outils financiers pour attirer de nouvelles tranches d'investissements égyptiens et étrangers qui désirent investir conformément à la charia, et ce par l'émission de sukuk souverains verts et d'autres de développement durable, dans le but d'assurer les liquidités nécessaires aux projets inscrits dans le plan de développement socio-économique du pays. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Finances, Mohamed Maïd. Cette démarche sera entreprise en adéquation avec les efforts de l'État pour stimuler la demande en valeur et en instrument de la dette émise par le gouvernement en monnaie locale et étrangère pour soutenir les dépenses faites dans le but d'améliorer le niveau de vie des citoyens et répondre aux exigences développementales du pays, a-t-il dit dans un communiqué publié hier. Selon lui, le gouvernement s'apprête à lancer la première émission de sukuk souverain dans la période à venir dans le but de réaliser les objectifs escomptés, a-t-il fait savoir, ajoutant que le règlement avait été élaboré de concert avec Al-Azhar, l'autorité générale du contrôle financier, des cabinets d'avocats locaux et étrangers pour couvrir tous les côtés juridiques et apporter le caractère religieux et technique conformément à la charia. Le ministre du Pétrole et des Ressources minières, Tarek El Moula, a affirmé lundi que les futurs projets visaient à accroître l'efficacité du réseau national du gaz vu l'augmentation de la production de gaz en Méditerranée orientale avec des investissements dépassant 6 milliards de livres égyptiennes. Un commentaire. Le ministre du Pétrole et des Ressources minières, Tarek El Moula, a affirmé que le secteur pétrolier avait adopté plusieurs procédures et initiatives pour soutenir les efforts de la transition énergétique, réduire les émissions et protéger l'environnement, soulignant que des plans étaient en cours pour mettre en œuvre 3 projets en matière de pétrochimie verte, avec des investissements estimés à 1,25 milliard de dollars. Dans une déclaration mardi, M. Moula a mentionné que le secteur du pétrole avait développé des politiques et des stratégies pour étendre les énergies vertes et mettre en œuvre des technologies
en vue de réduire les émissions de gaz et ce, en concomitance avec l'actuel pour l'Égypte de la COP27, fin de l'année courante. Les réformes économiques mises en œuvre ont aidé l'Égypte à croître le taux des énergies nouvelles et renouvelables dans le mélange d'énergie, a-t-il noté, ajoutant que l'Égypte disposait d'une infrastructure diversifiée et d'une position géographique distinguée qui la qualifie pour devenir un des importants pays producteurs des énergies vertes dans la région. La ministre du Commerce et de l'Industrie, Nivine Guema, s'est entretenue avec une délégation de la société Mercedes-Benz Égypte des projets entrepris actuellement et envisagés à l'avenir sur le marché égyptien et de la localisation de l'industrie automobile en Égypte. La direction politique en Égypte accorde un vif intérêt à la stimulation des industries automobiles et équipementières et à la réalisation des plus hauts niveaux d'industrialisation et de production locale. Le marché égyptien jouit de tous les facteurs qui lui permettent de devenir un centre essentiel de l'industrie automobile au Moyen-Orient et en Afrique, a-t-elle affirmé, ajoutant que le ministère tenait à encourager les investissements étrangers dans le pays à développer leurs activités sur le marché. ,000 Égyptiens visitent les sites archéologiques et les musées au premier jour de l'Aïd el-Fitr. Plus de 50 000 Égyptiens ont visité les musées et les sites archéologiques partout dans la République au premier jour de l'Aïd el-Fitr, apprend-on des statistiques du suivi central des sites web des musées. Plus de 25 000 Égyptiens se sont rendus aux pyramides et à la citadelle de Salah ed-Din au Caire et plus de 5 000 ont visité la citadelle de Qaid Bey à Alexandrie. Ces visites reflètent le souci du peuple égyptien de s'informer de son ancienne civilisation. Mesdames et messieurs, avec cette nouvelle, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme L'Égypte à la Une et nous vous souhaitons toutes et tous une très joyeuse fête d'El Fitr. Merci et bonne journée.